Rencontre sur les préparatifs des prochaines élections au Mali. La Fondation Centre Malien pour le Dialogue Interparti et la Démocratie souhaite que ces élections se tiennent en même temps que la reconquête du Nord et demande au gouvernement de proposer un chronogramme à cet effet. Plus de tuberculose, de mon vivant, c'est le slogan de la Journée mondiale de lutte contre la maladie. Une occasion pour offrir la possibilité aux personnes touchées et aux acteurs de poursuivre la collaboration en vue d'éliminer la tuberculose de notre vivant, cela grâce à la sensibilisation et à l'action. Le Mali saura ce soir si oui ou non le Conseil de sécurité de l'ONU autorise le déploiement d'une force africaine dans le nord du pays. Les 15 membres sont réunis en ce moment même pour passer au vote et il semblerait aux premières nouvelles qu'ils pourraient voter oui. Nous en parlerons tout à l'heure avec Salif Sanogo. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec les activités du président de la République par intérim. Le professeur Diankuna Traoré a reçu ce matin en audience une délégation de parlementaires français venus pour comprendre davantage les difficultés que vivent les populations du nord de notre pays. Juste après, c'est l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en fin de mission au Mali qui a été reçu. Le compte-rendu des audiences, c'est avec Mahamadou Doumbi. Au programme des audiences à la présidence de la République, ce sont des parlementaires français qui ont été d'abord reçus par le président de la République par intérim, Diankuna Traoré. Au menu de ce tête-à-tête, la situation regrettable que vive la population du nord de notre pays et qui doit être mieux appréhendée tant par la droite que la gauche française. Nous sommes ici dans une mission, encore une fois, bipartisane, la droite et la gauche ensemble, pour donner un coup de main au Mali, parce que nous sommes concernés par l'intégrité territoriale de votre pays. Souhaitons, je crois qu'on peut tous les deux souhaiter que 2013 soit une année où l'intégrité territoriale du Mali soit pleinement recouvrée, et où on ait en même temps une situation où la démocratie soit pleinement recouvrée après la transition. Il y a des perspectives qui nous rassurent un peu, mais il faut que tout le monde s'y mette, y compris les pays comme le nôtre qui ont à cœur d'aider le Mali, de résoudre le problème de son intégrité et de la sécurité, bien entendu, et du développement. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit du peuple malien? Nous saluons le peuple malien, nous sommes avec lui, nous sommes à ses côtés, notre présence en témoigne, majorité opposition confondue, toute la France. Nous mobilisons l'Union Européenne, nous mobilisons les Nations Unies, comme vous le savez, et donc nous ne sommes pas prêts de détacher notre regard du peuple malien et du Mali. Ensuite, ce fut le tour de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne d'être reçu par le président de la République par intérim, Diankuna Traoré. L'ambassadeur en fin de mission garde un souvenir inébranlable de notre pays. Je quitte le Mali avec beaucoup de tristesse. J'ai eu l'occasion d'avoir connaître tant de Maliens. Je l'ai dit au président, je l'ai remercié pour précisément tout l'accompagnement que nous avons eu de la partie malienne. Et j'ai toujours trouvé les portes ouvertes et une excellente disponibilité pour travailler de concert avec toutes les institutions et aussi la société malienne. C'est triste aussi de quitter le pays à un moment où il confronte des défis énormes dans une situation si difficile. J'ai la conviction et aussi l'espoir que les crises sont aussi une opportunité pour rebondir avec plus renforcé. Auparavant, la délégation des parlementaires français avait été reçue à la primature par le Premier ministre Django Sissoko. Parlons de la formation des militaires maliens en vue de la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Une première équipe de 400 formateurs européens est attendue au Mali dès le mois de janvier. L'annonce a été faite ce matin au Premier ministre Diango Sissoko par le chef de la délégation de l'Union européenne au cours d'une audience. Le chef du gouvernement a également reçu l'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Mali. Les deux personnalités ont échangé sur l'évolution de la situation politique et sécuritaire au Mali. Le reportage est de Bourama Traoré.
Le chef de la délégation de l'Union européenne chez le Premier ministre Django Sissoko. L'objectif est de renouveler le soutien de l'UE au Mali dans la résolution de la crise. C'est dans ce cadre qu'une équipe de formateurs européens est attendue à Bamako dès le début de l'année prochaine. Cette équipe aura pour mission de mettre à niveau l'armée malienne en vue de la reconquête des territoires du Nord. Pour faire face à cette crise, avant tout, nous sommes en train d'approuver une mission de formation pour les militaires. On parle d'une mission de 400 personnes et les premiers éléments de cette mission pourront arriver dès janvier. La crise malienne, sujet également évoqué par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne avec le Premier ministre Django Sissoko. Le diplomate anglais rassure son interlocuteur. Ce n'est pas dans les moments difficiles qu'il faut abandonner son ami. Le Mali a le soutien de Grande-Bretagne et le Mali va toujours avoir le soutien de Grande-Bretagne sur le chemin vers les élections et sur le chemin pour restaurer l'intégrité territoriale. Les partenaires aux côtés donc du Mali pour une sortie de crise, partenaires qui tiennent toutefois à la stabilité et au fonctionnement régulier des institutions de la République. Encourager les représentants du peuple à poursuivre la bonne collaboration avec les autres institutions dans l'intérêt du Mali, c'est la démarche du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. L'audience accordée à Saïd Djinit par le président de l'Assemblée nationale par intérim a été suivie par Alousseni Touré. Saïd Djinit est venu rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour échanger sur les dernières évolutions de la situation politique dans notre pays. Une évolution qu'il juge positive et prometteuse. Je suis venu m'entretenir de l'évolution de la situation au Mali, notamment depuis les dernières semaines, et les encourager à poursuivre leurs efforts visant à stabiliser la situation au Mali, maintenant que... il y a un nouveau gouvernement d'union nationale, un président, un premier ministre, qu'ils se mettent à travail et voir dans quelle mesure les Nations Unies peuvent continuer à les soutenir. Pour le reste, vous savez que les Nations Unies, de concert avec la CEDEAO, l'Union africaine et les partenaires internationaux, sont dans l'accompagnement du Mali, dans tout sur la base du concept stratégique qui a été adopté ici même, le 19 octobre à Bamako, qui a prévu un certain nombre d'éléments constitutif de la position de la communauté internationale partage avec le Mali pour aider le Mali à 1. Recouvrer le nord et faire face à la menace terroriste qui est une menace non seulement au Mali mais une menace pour toute la sous-région et au-delà. Sur le projet de résolution en cours de discussion à New York, le diplomate a bon espoir que là aussi une résolution soit prise. Le représentant spécial des Nations Unies vient de l'évoquer, parlant justement de la résolution annoncée pour demain. C'est finalement en ce moment même que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit à New York pour l'adoption de la résolution devant autoriser le déploiement de la force d'intervention dans les régions du nord du Mali. Les travaux ont démarré en présence du chef de la diplomatie malienne et ont fait le déplacement. Et selon les premières informations que nous avons pu obtenir, l'on s'achemine vers l'autorisation du déploiement de la force africaine à l'unanimité des 15 membres du Conseil de sécurité. Pour les détails, nous allons retrouver sur place Salif Sanogo, que nous avons pu joindre il y a juste quelques instants. Les travaux du Conseil de sécurité démarrent au moment même où les 15 membres semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Les négociations ont été serrées jusqu'à la dernière minute et les uns et les autres n'ont perdu en aucun moment l'urgence de la situation en vue. À l'heure actuelle, les travaux du Conseil de sécurité se déroulent encore, selon certaines informations qui ont pu filtrer, tout en réaffirmant leur profond attachement à la souveraineté, à l'unité territoriale et à l'intégrité du Mali. Les 15 membres du Conseil de sécurité devraient autoriser le déploiement de la force africaine avec un support international pour une durée initiale d'un an. La formation et l'équipement des forces armées maliennes devraient aussi tenir une place de choix dans cette résolution, tout comme la gestion de la transition. On peut signaler la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Chema Hubert Koulibaly, qui mène ici une discrète mais efficace diplomatie de coulisses avec l'appui de la représentation diplomatique du Mali auprès des Nations Unies.
Merci Salif Saint-Logo. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions pour les résultats du vote des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui devront se prononcer sur l'accord ou non du déploiement de la force africaine. Et aux dernières nouvelles, il semblerait que l'on s'achemine vers une autorisation. En attendant d'autres nouvelles, nous poursuivons ce journal avec tout d'abord ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session extraordinaire en cours se tiendra le vendredi 21 décembre et jour suivant à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur les délibérations sur le projet de loi des finances 2013 et sur des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Et puis après la formation du gouvernement Django Sissoko, les ministres sortants passent le relais aux entrants. Ainsi, ce jeudi, il y a eu des passations de services, notamment au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au ministère de la Culture et à celui de l'Équipement et de l'Aménagement du territoire. Une occasion pour les sortants de souhaiter plein succès à leurs successeurs. Le Mali va bénéficier de la mise en place d'un fonds pour prendre en charge les priorités de la transition. C'est l'une des principales recommandations issues de la réunion conjointe Mali, partenaires techniques et financiers. La réunion qui a pris fin hier a aussi permis de faire le point d'exécution du budget 2013. Modibo Mariko. La réunion conjointe gouvernement, partenaires techniques et financiers a permis d'adapter la revue budgétaire au contexte actuel pour prendre en compte les défis de la transition. Maliens et PTF ont ainsi passé au pain et fin l'exécution du budget 2012, la mobilisation des ressources internes ainsi que les systèmes de contrôle des finances publiques. Au terme des échanges, à défaut d'arriver à une reprise totale de la coopération, les partenaires ont montré de bonnes dispositions en mettant en place un fonds d'appui au programme économique. On a cherché sur la possibilité d'avoir par exemple un trust fund, un fonds pour éviter que la crise s'aggrave dans les secteurs sociaux, par exemple. Ce fonds fiduciaire-là va rassembler les appuis que les uns et les autres donnent et il va servir à financer des postes de dépenses que sur lesquels eux et nous, nous allons convenir. Et c'est des postes de dépenses qui auront été choisis à cause de leur importance pour la survie même de l'État du Mali, par exemple les élections. En 2013, l'appui au secteur agricole, l'appui au secteur social, la santé et l'éducation. Pour ce qui concerne les appuis budgétaires, les préalables pour l'Union européenne, par exemple, reste l'élaboration d'une feuille de route crédible et consensuelle. Car selon les chefs de file des partenaires, aux deux objectifs connus de la transition, l'on pourrait désormais ajouter un troisième qui est d'empêcher que la situation actuelle n'aggrave les défis dans les secteurs sociaux. Au vu de l'ampleur et la gravité de la situation, les ministres en appellent à la trêve sur le front social. Tous ceux qui pensent qu'ils ont des choses à demander à l'État, qui pensent qu'ils sont dans leurs droits, qu'ils sont dans leur légitimité. Je ne conteste ni les droits ni les légitimités, mais je voudrais que chacun accepte que la situation du pays est difficile et que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de dépenser plus que ce que nous avons. Les regards sont donc tournés vers le 1er février, date du conseil d'administration du FMI sur le dossier du Mali. Atelier d'échange sur les préparatifs des prochaines élections au Mali. Ça se passe ici à Bamako, organisé par la Fondation Centre Malien pour le Dialogue Interparti et la Démocratie. Cet atelier vise entre autres à contribuer à l'édification d'un environnement favorable à l'organisation d'élections transparentes, paisibles et crédibles. Il vise également à diagnostiquer les difficultés en rapport avec la préparation de ces élections, nous informe Daouda Sidiki Diara. L'organisation des prochaines élections suscite un certain nombre de questions liées entre autres au choix du fichier électoral et à la crédibilité de ces élections. C'est pourquoi les acteurs politiques et institutionnels doivent réfléchir et apporter des réponses pour aider le processus démocratique malien à franchir un autre cap. Afin d'y parvenir, la Fondation Centre Malien pour le Dialogue Interparti et la Démocratie a décidé de soutenir les réflexions autour de ces différentes questions, d'où l'organisation de cet atelier d'échange sur les préparatifs des élections prochaines. La perspective des prochaines élections, qui constitue une étape importante du processus démocratique malien,
offre l'opportunité à la Fondation SEMDIT d'initier et d'animer un cadre de débat pour contribuer à l'émergence d'un environnement favorable, garant de l'organisation d'élections crédibles et apaisées. Ces échanges d'idées doivent permettre aux différents acteurs de poser des actes utiles pour une meilleure organisation d'élections libres, transparentes et apaisées au Mali. Pour le département de l'administration territoriale, il reste constant que la préparation des élections doit s'opérer en même temps que la recherche des voies et moyens pour le recouvrement de l'intégrité territoriale du pays. C'est pour cette raison que nous travaillons pour que les conditions techniques et matérielles soient réunies au moment opportun afin que notre pays organise des élections crédibles et apaisées. À l'issue des travaux, les participants ont recommandé, entre autres, que la préparation des élections prochaines se tienne concomitamment avec la reconquête des zones occupées, que les fichiers biométriques soient retenus pour les élections à venir et que le gouvernement s'emploie à proposer dans les meilleurs délais un chronogramme des élections. Le bureau du vérificateur général vient d'organiser une journée de concertation entre les autorités judiciaires chargées des pôles économiques et financiers et son personnel. La présentation du bureau du vérificateur général et le processus de dénonciation des faits aux tribunaux sont les sujets au centre des échanges. Agali Ag Agissa nous en dit plus. Le vérificateur général et les autorités judiciaires chargées des pôles économiques sont des entités complémentaires. Et c'est justement pour renforcer les rapports de collaboration que le bureau du vérificateur général a organisé cette journée de concertation. Nous voilà aujourd'hui avec les autorités judiciaires responsables des poursuites, de l'instruction et du jugement des dénonciations pour, j'espère, des échanges féconds en vue d'établir des mécanismes appropriés permettant de lutter efficacement contre la corruption et la délinquance financière. Cet espace d'échange devra permettre aux participants de mieux connaître les missions des vérificateurs généraux et de maîtriser les méthodes en matière de dénonciation des faits, ce qui va renforcer les dispositifs déjà en place pour lutter contre la corruption au Mali. La lutte contre la corruption et la délinquance financière fait partie des priorités du gouvernement. Par vos actions quotidiennes, vous contribuez avec l'institution judiciaire à lutter contre ces maux qui annihilent tous nos efforts de développement. Le département de la justice met actuellement la dernière main à l'avant-projet de loi portant répression de l'enrichissement illicite. Cette incrimination contribuera sans nul doute à renforcer les mailles du filet qui protègent nos deniers publics. La rencontre réunit les procureurs de la République près des tribunaux de première instance de la commune 3 de Bamako, de Kaye et de Mopti. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de la Santé a présidé ce jeudi le lancement de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, dont le thème est « Plus de tuberculose de mon vivant ». La cérémonie a regroupé les autorités politiques communales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les populations. Aguibo Koulibaly y était également. Voici son reportage. C'est la commune 4 du district de Bamako qui a servi de cadre au lancement des activités de la journée mondiale de la tuberculose. Une occasion pour les autorités communales d'inviter chacun à se faire dépister. La journée mondiale de lutte contre la tuberculose nous offre l'heureuse occasion de lancer un appel solennel à l'ensemble de nos compatriotes pour que le dépistage que nous appelons tous de nos voeux soit systématique. Cette journée a été l'occasion pour les responsables et partenaires de la santé de faire le bilan critique des activités de lutte menées au cours de l'année. Il faut que les décideurs politiques et administratifs donnent à la lutte contre la tuberculose l'importance qu'elle mérite au vu du dédasse qu'elle cause en termes de décès, de souffrances humaines et d'impact économique. Dans le monde, la tuberculose est responsable de 26% des décès évitables chez les sujets de 15 à 59 ans, avec plus de 2 millions de décès par an. Environ 98% de ces décès surviennent dans les pays sous-développés. En 2011,
5573 cas de tuberculose toutes formes confondues ont été dépistés. Le taux de détection a été de 35%. Quant au taux de succès au traitement, il a été de 76%. Selon le représentant de l'OMS au Mali, les autorités nationales doivent renforcer les initiatives de prévention et de contrôle de la tuberculose. Je lance un appel à tous les États membres et aux partenaires qu'ils allouent des ressources suffisantes à la lutte anti-tuberculose et deviennent le porte-étendard de la promotion de l'accès universel à des services de prévention et de prise en charge de la tuberculose. Pour lier l'utile à l'agréable, la troupe Digba a émerveillé le public par des chansons sur l'importance de la fréquentation des centres de santé. L'impact de la crise sociopolitique et sécuritaire sur le secteur de l'eau et de l'assainissement, c'est le thème de la 4e édition de la journée annuelle d'échange entre les acteurs du secteur. Les recommandations devront contribuer à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Fadem Makida. L'accès au câble est un constituant décisif pour le développement humain. Il influe de façon considérable sur les capacités, les opportunités et les potentialités des populations. Le thème de cette 4e édition d'échange entre les ministres en charge du secteur de l'eau et de l'assainissement rend la journée d'échange annuelle permet aux différents acteurs de conjuguer les fonctions de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement adéquat. Aussi, vous aurez à échanger entre vous l'état de mise en œuvre des recommandations issues de la dernière édition de 2011, l'impact sociopolitique et sécuritaire sur l'accès des populations aux services d'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement au Mali. Le secteur de l'eau et de l'assainissement est confronté à de nombreux défis dont le besoin croissant en investissement, l'insuffisance des moyens mis à la disposition des services techniques. La question de l'accès des communautés aux services d'eau et d'assainissement demeure préoccupante en raison de la crise sociopolitique et sécuritaire que vit notre pays. La journée d'échange annuelle a été initiée en 2009 par les services techniques de l'État en collaboration avec la société civile du secteur en partenariat avec WaterAid. Assemblée générale du groupement professionnel des agences de communication du Mali. C'était hier, occasion pour les membres du bureau de faire le bilan des activités réalisées et de se projeter sur l'avenir, avec pour objectif de promouvoir et de protéger les intérêts des membres du groupement. Le reportage est de Timoko Sagara. Au cours de cette assemblée générale, le bureau du groupement professionnel des agences de communication GEPAC a présenté son rapport d'activité 2011-2012 et ses activités en instance. Ces activités ont pour nom l'exécution du plan de communication, le projet d'accord de partenariat avec l'ORTM, l'établissement d'une charte de bonne conduite et la réalisation d'un sondage sur les médias au Mali. L'organisation d'une journée de communication et le régime de la publicité figurent en bonne place dans la gamme des activités en instance. Vous savez que la communication est gérée par des lois datant de 1980 et qui sont des lois qui sont totalement désuètes. Donc si on a un bon soubassement, je suis convaincu qu'avec le contexte économique qui va évoluer, avec les exigences des différents clients que nous aurons, chaque agence va s'agrandir au bonheur de l'économie nationale. De 2011 à nos jours, le GEPAC a organisé une conférence de presse sur le projet de loi fixant le régime juridique de la publicité, le festival Onde de Liberté, où le GEPAC a élaboré des tissus du festival, la bande-annonce et les stands. Le groupement a obtenu la suppression de la TVA. Face à la crise au nord du Mali, le GEPAC a contribué à hauteur de 4 200 000 francs CFA à l'armée malienne. Il a également élaboré un document sur la stratégie de communication pour une cohésion sociale au Mali. Le groupement professionnel des agences de communication du Mali est né en 2010 et compte aujourd'hui 52 agences. Son but est de promouvoir et protéger les intérêts de ses membres vis-à-vis des pouvoirs publics et des organisations diverses à caractère officiel, privé ou syndical. Les concours d'intégration à la fonction publique se dérouleront du 22 au 31 décembre. Cette année, ils sont environ 59 000 candidats, toutes catégories et spécialités, à prendre part au concours. Pour plus d'informations, je vous propose d'écouter Moussa Tamoura, directeur du Centre national des concours de la fonction publique. Il est interrogé par Amadou Ouattara. Les concours auront bel et bien lieu comme programmé
et vous venez de le vivre du 22 au 31 décembre. Tous les départements ont été impliqués et seront impliqués jusqu'à la fin du processus dans ce concours. Toutes les DRH ont leurs représentants dans les commissions chargées des différentes activités du concours. Les départements qui n'ont pas de DRH, on a invité les représentants de leur DFM à travailler avec nous. En plus de ceci, la supervision est assurée en plus du cabinet par les trois associations des jeunes diplômés qui sont nos partenaires. Avez-vous une idée des candidats inscrits? Si on arrondit le chiffre, on va parler de 59 000, tout corps et toute spécialité confondue. Pour le premier jour qui est le 22 de l'ouverture, on a retenu 4 centres, notamment le lycée Bamnata Diallo, couramment connu sous le nom de El Bad, ESICA, lycée technique et l'école fondamentale de Medine Memory Diarra. Ça, c'est les 4 centres retenus pour la première journée. Par rapport aux autres journées, on a retenu en ce moment 6 centres. En plus de ces centres cités, on a ajouté Dar es Salaam et on a ajouté le CFP, plus Jean Richard et Alfred Garçon. Comme c'est un concours national, il y a d'autres régions qui sont prévues et qui ont été retenues comme centre. Et le premier centre retenu au niveau régional, c'est le centre de Kaï. Après Kaï, Sigasso vient, Ségou et Mopti. Habituellement, Gao aussi constitue un centre. Mais cette année, exceptionnellement, compte tenu de la situation du pays, on a demandé aux candidats de Gao de postuler au niveau de tous les autres centres régionaux ou même de Bamako à leur choix. Les concours d'intégration à la fonction publique débuteront donc ce samedi 22 décembre. Bonne chance aux candidats. Première session du conseil d'administration du Centre national de promotion du volontariat au Mali. C'était ce matin à Bamako. L'organisation, le plan de travail 2013 et le projet de budget 2013 sont entre autres les sujets évoqués. Reportage de Rachel Tessougui. Les membres du conseil d'administration du Centre national de promotion du volontariat sont réunis pour valider le budget 2013 qui s'élève à 275 millions de francs CFA. En outre, plusieurs activités sont inscrites à l'agenda 2013 du centre. Les principales activités qui sont retenues dans le cadre de ce plan de travail 2013, c'est d'abord élaborer une politique nationale de volontariat au Mali. Assurer également le renforcement de capacités des collectivités décentralisées dans le cadre du déploiement des volontaires nationaux. 3. Aller aussi dans le sens de promouvoir le volontariat Sud-Sud et Sud-Nord, le plaidoyer à la mobilisation des ressources et la promotion, les activités liées à la promotion, à la valorisation du volontariat à travers des activités de communication. Le volontariat constitue un instrument de développement de proximité. Son opérationnalisation apportera plus rapidement des réponses aux attentes pertinentes des communautés. Le contingent de volontaires nationaux appuie sur le terrain des organisations de la société civile, des ONG, des organisations communautaires de base, des collectivités territoriales et contribue à la réduction de la pauvreté et à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le Centre national de promotion du volontariat appuie les populations dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la décentralisation, de l'eau potable, l'agriculture, l'hygiène et le maraîchage. De son côté, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, ANSA, a tenu la 15e session de son conseil d'administration. Les administrateurs vont examiner les rapports d'activité et amender le budget prévisionnel équilibré en recettes et en dépenses à plus de 400 millions de francs CFA. Fatime Koné. Cette 15e session de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des aliments, ANSA, est marquée par deux principales réalisations. Il s'agit de l'adoption du budget d'établissement de l'agence et de la réalisation du projet d'appui à la maîtrise des risques sanitaires et phytosanitaires au niveau de la filière mangue d'exportation du Mali. Hormis ces réalisations, l'ANSA a obtenu d'autres acquis. L'ANSA a fait un certain nombre de réalisations dans le domaine d'abord des études sur la sécurité sanitaire des aliments. Il y a un certain nombre d'études qui ont été menées sur le poisson, sur la viande. Nous avons déjà 3 doctorats qui sont en préparation, en plus des missions de contrôle et d'appui que nous menons régulièrement dans le domaine d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs maliens. Au menu de cette 15e session, l'examen et l'adoption du budget de l'agence, estimé à près de 419 millions de francs CFA pour l'année 2013. Le budget de l'année 2011, c'était de l'ordre de 500 millions.
Et pour l'exercice que nous allons examiner 2012, il a été réduit, vu la situation politique que les pays traversent, presque de 20-25%. Nous estimons faire un plaidoyer auprès des partenaires parce que c'est une structure de recherche. Courant 2012, l'agence a connu quelques difficultés, à savoir les difficultés de financement, le problème de collaboration avec les structures de contrôle. Malgré ces difficultés non négligeables, les responsables veulent apporter des innovations en appliquant la mission principale de l'agence, celle de coordonner toutes les actions liées à la sécurité sanitaire des aliments et la communication dans le domaine. Donner un environnement social, socio-culturel viable aux personnes en situation de handicap, c'est un combat que mène le projet Accessibilité universelle de base. Le projet lancé en 2012 couvre certaines communes de Tombouctou et du district de Bamako. Les membres du comité de pilotage étaient réunis pour évaluer les activités menées. Reportage de Adama Koulibaly. L'accessibilité des personnes handicapées aux services de base, c'est la lutte que mènent les administrateurs d'un projet dénommé Accessibilité universelle aux services de base. Un comité de pilotage est installé pour la bonne réussite du projet. Ses membres étaient dans une rencontre d'évaluation des activités menées entre 2010 et 2012. Le projet socio-humanitaire lancé en 2010 couvre des communes de Tombouctou, de Raourous, Bambara Maoudé, Gossi et de la commune 5 du district de Bamako. L'accessibilité des personnes en situation de handicap aux points d'eau potable, aux structures sanitaires, à un statut juridique avec l'enregistrement à la naissance, pour ne citer que ceci, sont des activités sur lesquelles travaille le projet. Ces activités qui avaient été bien ciblées au départ avec la situation qui prévaut dans le pays se sont élargies en prenant en compte d'autres charges sociales en faveur des déplacés résidant à Bamako. Au cours de la rencontre, il a été rappelé que le Mali compte plus d'1 160 000 personnes handicapées. Parmi elles, 90% n'ont pas accès à l'eau potable, 37% n'ont pas accès aux structures sanitaires. Direction la 5e région, 11e session du conseil d'administration de l'hôpital Sominé-Dolo. La présentation du rapport d'activité médico-technique et financier 2012 et celle du projet de budget prévisionnel 2013 qui s'élève à plus de 900 millions de francs CFA était à l'ordre du jour. Retrouvons Amopti Aminata Touri. Cette 11e session du conseil d'administration qui s'est tenue dans les nouveaux locaux de l'hôpital Sominé-Dolo de Mopti à Sévaré a été l'occasion pour les administrateurs d'examiner l'état de mise en œuvre des recommandations de la 10e session, de présenter les rapports d'activité médico-technique et financier 2012, mais aussi de présenter le budget prévisionnel 2013 qui s'élève à plus de 900 millions de francs CFA. Nous avons deux objectifs principaux, c'est de faire fonctionner correctement cet hôpital-là. Et pour cela, il faut des consommables, les besoins qu'il faut pour faire fonctionner, mais il faut les ressources humaines qualifiées. Le budget va s'accentuer exactement sur beaucoup plus le fonctionnement et la formation. Le ressort de ce conseil que l'année 2012 s'est caractérisée par la crise du Nord. L'hôpital a vécu cette crise en deux phases. La première a été celle de la prise en charge de tous les blessés de guerre. La seconde a été celle de l'après-crise qui a été déterminante dans la prise en charge des déplacés du Nord. Cette 11e session se situe dans un cadre spécial. La crise que traverse notre pays actuellement, on a eu l'occasion ce matin de faire une visite guidée des locaux, ce qui nous a permis d'apprécier à juste titre tout l'effort qui a été fourni par le gouvernement de la République du Mali et ses partenaires. La visite guidée de l'hôpital a été l'un des temps forts de cette session. Nous restons dans le domaine sanitaire, cette fois-ci en 3e région. Nous nous intéressons à la campagne de prise en charge des femmes malades de la fistule obstétricale. Cette campagne organisée par Fistule Care Project sera marquée par des interventions chirurgicales gratuites à l'hôpital. Le gouverneur de région, Ibrahim Fefe Kone, était au chevet d'une trentaine de femmes qui ont déjà été opérées. Atem Sikasso, le compte-rendu de Fatoumata Diallo. Près de 100 femmes sont concernées par cette campagne de prise en charge des malades de la fistule obstétricale dans la région de Sikasso. La maladie, qui se manifeste par une incontinence d'urine chez certaines femmes après leur accouchement, a longtemps fait de ces victimes des exclus sociales. D'où la motivation à l'origine de cette campagne première du genre à Sikasso, initiée par Fistula Care Project, de concert avec les autorités administratives et sanitaires de la région. C'est dans la procréation
qu'elles ont eu cette maladie, elles n'ont pas choisi. C'est en donnant la vie aux enfants qu'elles ont eu cette maladie. On a besoin d'une mobilisation de tous les partenaires. On a besoin de l'accompagnement particulier de l'USAID pour que vraiment on puisse aider toutes ces femmes, on puisse aider nos sœurs. Pour permettre alors à ces braves dames de jouir pleinement de leur féminité et de retrouver le sourire qu'elles ont perdu, des interventions chirurgicales gratuites sont organisées à l'hôpital de Sikasso. Tous les 45 jours, nous allons organiser une campagne afin que ces femmes puissent se débarrasser de ce fléau et qu'elles réintègrent leur société. La prise en charge est totalement gratuite depuis le domicile de la femme jusqu'à son retour après sa guérison. Tout est absolument gratuit, prise en charge par le projet. Une opportunité pour le chef de l'exécutif régional d'être au chevet des malades pour un réconfort moral. Une fois encore, nous demandons à ces femmes de fréquenter les centres hospitaliers à chaque fois qu'elles sont en état de grossesse. Nous demandons aux parents des filles d'éviter des mariages précoces. Mieux vaut en tout cas prévenir que guérir, la fistule étant loin d'être une fatalité. Après les femmes, place aux enfants. Ceux de Fana et de Kalaké viennent d'organiser des forums pour sensibiliser leurs parents et les autorités locales sur la pratique de l'excision et la non-application des droits qui leur sont réservés. C'était en partenariat avec l'ONG Équipe de Recherche et d'Appui pour le Développement et Plan Mali. Adama Koulibaly nous en fait le compte-rendu. L'excision, pratique néfaste, fait souffrir les filles de la commune de Fana dans le cercle de Douila. L'ONG ERAD, équipe de recherche et d'appui pour le développement en partenariat avec les enfants de la localité, mène le combat pour éliminer la pratique. ERAD, avec l'appui du Plan Mali, a organisé cet espace de communication pour permettre aux enfants de dire à leurs parents et tuteurs ce qu'ils subissent comme mauvais traitement. C'est le lieu de porter à votre connaissance que ce projet a permis la création de 8 comités villageois pour l'abandon des pratiques néfastes dans la commune. Et ce comité contribuera à protéger les enfants et les femmes contre les violences et abus, y compris l'excision. Avec les autorités locales, les enfants demandent l'élimination de la pratique de l'excision et l'application stricte des droits réservés pour eux. Après Fana, c'était au tour des enfants de la commune de Kalaké dans le cercle de Barawili d'organiser leur forum. Même message qu'à Fana. Dans cette localité, plus de 80% des filles, selon les administrateurs de l'ONG ERAD, souffrent de l'excision. À cette pratique néfaste s'ajoute le mariage précoce qui fait arrêter les études scolaires de plusieurs des filles avant le second cycle, ou encore l'exode précoce avant même l'âge de 15 ans. Sans oublier le problème d'actes d'état civil. Les parents des enfants ainsi que les autorités locales ont partagé le contenu des messages. C'est le lieu de vous témoigner que la mairie est imprégnée des différentes activités de ce projet, qu'il s'agit des causeries éducatives, de l'organisation de recensions de recyclage des membres de l'organisation d'enfants. Les enfants, pour parler avec leurs protecteurs, avaient choisi comme support de communication des sketchs, des poèmes et des chants pour sensibiliser ces derniers. Voilà, ceci met fin à ce journal. Merci de votre attention. Tout à l'heure, le journal des formations avec Mohamed Touré. N'oubliez pas également l'interview de la semaine, Yaya Konaté, qui reçoit un nouvel invité ce soir. Demain, pour les informations, vous serez avec Amara Malé Diallo à 10h et à 13h. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans les éditions du soir. D'ici là, n'oubliez pas d'avoir une pensée pour nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Voici le programme à tous sur l'ORTM. Thank you.